Et re YouTube, suite de nos aventures de Far Cry 6, extension La Folie de Vass, nous reprenons après avoir bien check toute une première partie de la map. Nous continuons donc, je le rappelle, hein, extension qui mise un peu sur un petit open world bac à sable avec des notions de roguelite. Nous débloquons des choses grâce à de l'argent et à du loot aléatoire. C'est plutôt pas mal. On va enchaîner sur cette deuxième partie et on verra si on arrive au bout de cette extension. Donc nous avons déjà quelques petites upgrades. Ok, oui. Problème de serveur. Alors c'est peut-être parce que mon abonnement n'est plus effectif. Quoi ? Oups, c'est pas ça qui était prévu. Oh, si je meurs comme ça, c'est terrible. Non, c'est bon. J'avais oublié que j'avais switché les couteaux tout à l'heure. Bon, les couteaux qui sont cheatés, hein. Parce que ma balle de pistolet ne passe pas à travers... le casque, par contre, les couteaux, oui. Augmente la défense contre les balles standards. Eh bien, désolé, mais je vends. On va pas looter le coffre. Fusil d'assaut, okay, ça me plaît. Tu as encore des gens, tu me donneras une nouvelle arme, ça. Ok, comme ça, je suis prêt. Wow, 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 wow. Ok. 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 Oh, le rechargement du pompe en headshot est très, très cool. En plus, c'est pas un one shot le boost de rechargement. Pour ma grande surprise. Ouais, 20 ennemis quand même, hein. Ouais, au départ j'avais vraiment peur de pas trop kiffer et au final c'est divertissant. Bon, en vrai j'ai mieux à faire que de tryhard les modes de difficulté. Faut déjà que je me remette à Isaac. Alors si je commence à tryhard Far Cry version roguelite, c'est le monde à l'envers. Mais franchement, agréable surprise. On va se calmer tout de suite. Donc là, je récupère une petite seringue. Voilà. Bien, bien. Je suis presque impressionné. Un petit fusil d'assaut. Et ça, c'est cool, par contre, le fusil d'assaut. Il y a moyen que je le prenne pour remplacer le sniper et que j'essaie de l'upgrade. En position accroupie. Le bruit des déplacements en position accroupie. J'aime bien ça. Ah, il est déjà niveau 2, le fusil. Ah, après, peut-être que plus on avance et plus on a accès à d'office à des armes améliorées. Faut ça se vérifie. Bon, et là on va déverrouiller normalement une nouvelle planque.
Donc je vais pouvoir dépenser un peu de moulin. Ah, et les headshots au couteau me permettent de booster aussi la vitesse de rechargement. Plutôt cool. Par contre, what the fuck, le volcan. Ouais, alors, stoppé, merci. Ah. Je comprends le con. Ah non, mais c'est juste. Je pensais juste qu'il fallait que je me parachute, mais après la question c'était comment je me barrais de là-bas. Bon, ça va que eux, ça, c'est du one shot, hein. Et qu'ils sont pas. Ils sont pas beaucoup. Ça a été peut-être un peu l'angoisse. Bon là c'est pareil, ça va être pour une paire. Alors j'ai peut-être essayé de me booster la vie. Faut voir. Ah non, c'est vrai qu'on avait l'upgrade qui coûtait. Ça coûtait combien? Ça coûtait 4000 pour les sous. Ok, bon, je vais défoncer des sbires. Ah ouais, mais ça veut dire que si je claque 4000... Déjà, faut que... Faut que je les fasse, les 4000. Et derrière, je peux pas acheter le fusil d'assaut, quoi. C'est la bise. Écoutez, je vais faire... Je vais peut-être juste débloquer le fusil et attendre d'avoir 4000 pour débloquer l'upgrade au cas où quand je meurs. Alors ça on l'a déjà fait du coup. Hein. Mais c'est ces gouttes rouges là, des fois j'ai l'impression qu'il y a un sniper qui me focus. Mais pas du tout. En vrai, faut voir la durée de vie déjà, juste pour une run. Une bonne petite run découverte, voir le temps que ça nous prend. On y a passé déjà en gros une heure et demie. Faut voir. Si en vrai ça dure 4-5 heures par extension, bon ça reste. Ouais, ça reste un peu maigre par rapport au prix. Mais en sachant qu'il y a de la rejouabilité, que c'est du roguelite, donc oui. Je vais essayer de refaire des runs pour. Améliorer ou avoir une autre expérience de jeu. En vrai ça va, ça reste honnête. Mais faut que ça dure 4-5 heures minimum la première run quoi. Qu'est-ce que... C'est un truc un peu cathartique. D'accord. Je m'attendais à un peu plus. Ah, on a 4000 piles. Aïe, aïe, aïe. Tiens, je crois que j'ai assez d'argent pour améliorer tout ça. Je deviendrai un vaste. Ouais, mais on va... Ah, arme d'expert. Ah, le fusil d'assaut, c'est ça. Lance-grenade. Arc. Ah oui, d'accord, arme d'expert. L'arc fait partie des armes d'expert. Ah oui, mais c'est pareil, parce que l'arc... Il y a moyen que...
que l'arc y ait les flèches explo. Et j'avoue que s'il y a les flèches explo avec l'arc, c'est glamour. Mais bon, on a le lance-grenade aussi, quoi. Ouais, on a juste à attendre le lance-grenade pour ça. Bon, déjà, il faudrait acheter et équiper. Oh, 1800 pour l'améliorer encore. Bah, c'est mort. Juste, c'est mort, en fait. Non, non, on va juste attendre... 2.0. On va juste attendre... Oh, me dis pas que t'as fait ça, mec. Me dis pas que t'as fait ça. Putain, d'accord, j'ai perdu 300 balles. Ah non? Ah non, il y a un slot par type d'arme. Oh, ma vie pue. Bon, bah j'ai perdu de l'argent. C'est officiel. Oh, ma vie pue. J'avais pas vu ça comme ça. Oh là là, j'ai perdu presque 1000 balles. Ouais, ça faut impérativement que j'upgrade pour avoir le sneak plus rapide. Wingsuit, parachute, grappin. Je pense qu'on en a besoin pour explorer certaines zones. Bon ben voilà, je suis ruiné. Merci à tous. En même temps, j'ai fait le sac à merde là, dépasser ma... Ok, on peut le mettre en coup par coup, donc c'est bon ça. Ça me permet de faire un substitut de snipe. On peut aller plus haut ou pas? On a la porte. La porte 3 qui m'emmènerait ici, où on est déjà allé. Donc ça n'intéresse personne. Bah écoutez, on va ratisser par là, hein. Attendez, je vais quand même essayer de voir si en allant par là c'est possible de check quelque chose. Là, il y a ça là. C'est assez complet en fait, ça demande de batailler un petit peu, d'y passer un peu de temps si on veut vraiment avoir une expérience complète. Donc là, il n'y a rien. Mais là, je vous avoue, j'aimerais bien réussir à choper tous les fragments de machette pour aller au bout. Le volcan. Ouais, ça va, j'ai deux armes améliorées. Souvenir. Bon, et ben c'est pour une pièce de machette, ça. Une seconde, c'est le bateau de la Deuxième Guerre mondiale qui était sur ma plage. Mais qu'est-ce qu'il fout là? Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Là, j'avoue qu'un petit snipe ou un arc, ça aurait fait plaisir. Mais bon, on va y aller à l'ancienne, hein. Ça aurait fait plaisir, mais ça aurait peut-être été un peu trop cheat.
cinéma, ça. Ces radios diffusent les coulisses du tournage des multifilms. Ce sont des enregistrements de tes crimes, de tes actes de lâcheté. Éteins-les et je te récompense. Oh, je veux bien, mais ça risque de m'exciter. Ok, let's go. Non, mais je vais looter. Et il y a 1 milliard de coffres, donc ça va partir en couille. Il y a même une caisse là-bas. Non, c'est peut-être une connerie. Ah, c'est en dessous. Ok, c'est une connerie du coup. Bon, je vais pas... Je vais pas looter les caisses parce que je sens que ça va partir en couille. Ça a des vagues d'ennemis. Ouais. Bah, par contre, niveau stabilité, il y a eu mieux. Hein. Ok, coup par coup, ça sera mieux. Ok. Officiel, je fais de la merde. Heureusement que l'IA est très con. Allez. Hop, 2-1. Donc, ça doit être au-dessus. Ah mais d'accord, ok. Ok, ok. Bon, vous inquiétez pas, je suis pas possédé. Messieurs, dames, ne chiquez surtout pas la fréquence. Dans un instant, il y aura encore plus de tubes sur... L'écriture est sublime, 5 étoiles. Salut, mon petit. Voilà. Oups. Allez, je me soigne maintenant. Je prends pas de risque. Quel enfer. Bon, j'ai réussi à bien le golfer, mais visiblement il s'en bat les couilles. D'accord, ok, bah vas-y mec hein. Y'a pas de soucis hein. Dommage. Ah bon. On est vraiment en mode facile hein. Je n'ai pas récupéré mes couteaux. Ok, c'est en bas. Et le dernier, ce sera en haut. C'est frangin, j'adorerais envoyer ces audios en orbite. Rien pour faire chier les extraterrestres. Là-bas ? Non, là-bas. On veut encore ? Jason, Jason, j'ai un truc à te montrer. C'est moi, le guerrier. C'est moi. Ouais.
Dommage. Pourquoi il se fait blair lui? D'accord. D'accord mec. Et on est reparti. C'est quoi, on va même faire un truc. C'est qu'on va se heal. Enfin là, et on va récupérer la caisse tout en haut. Si on peut accéder. Voilà. Tu vas coopérer. Et la radio est juste ici. Tu as fait ce que je t'ai demandé. À présent, achète Jason et je te récompense. En fait, c'est limite si le fusil à pompe est pas plus efficace, je trouve. Ok, Ras, c'est toi, fini de rigoler. Ok, c'est bon. Pas de soucis, mec. Bonsoir à tous. C'est bien, Ras. Tu as fait ce que je voulais. Viens, viens chercher ta réponse. Et notre caisse, elle est juste là. Et ben c'est parfait. Tout se goupille. Ouais, il doit y avoir quand même carrément plus d'ennemis en mode plus, difficulté plus élevée. Hein. Sinon, je comprends pas. Une fois que nous t'aurons réduit à néant, nous pourrons rebâtir. Ben comme quoi je m'étais dirigé au pif par là-haut juste pour voir, et ben il y avait bel et bien quelque chose. Non, c'est faux. L'enfoiré d'imitateur. Ah mais c'est Joseph Seed. Mais attends, mais ça veut dire que même Far Cry 5 est connecté à Far Cry 3? Genre en direct? C'est pas juste le... Eh, réveille-toi! Allez! Oh putain! Ah, ça veut dire que Vass... est insinueusement inspiré par Joseph Seed. Oh putain! Énorme! C'était le bon temps. Là, je m'attendais pas à ça, par contre. Ouais, je pensais que Far Cry 5, ça se passait après. En fait, je sais pas si dans les Far Cry, les dates pour la timeline sont mentionnées. En même temps, dans Far Cry 5, il y a Urk, je sais plus comment il s'appelle, qui balance une punchline de Spider-Man, non, de Avengers Infinity War. Et en plus de ça, Urk, oui, justement, qui lui est présent dans tous les Far Cry. Et c'est un perso qui est là dans Far Cry 3, qui est là dans Far Cry 4, qui est là dans Far Cry 5. Donc ça implique qu'il baroude. Et en plus de ça, dans Far Cry 5, il me semble qu'il y a des répliques de Urk où justement il fait mention des délires avec les tatouages et compagnie. Donc ça fait écho à Far Cry 3. Donc est-ce qu'il y aurait pas un peu incohérence Tu devrais être vexé, non? Oh, et puis de la merde de toute façon, je la tuerai en premier.
Est-ce qu'il y aurait pas incohérence là pour la timeline? Ah, ça fait un peu le rat. Oh ouais, mais là le rat, comment dire, arrive, hein. Eh ben dommage. Ok. On s'en fout. Vous devrez avoir tout l'intérêt des petits coffres qui nous donnent que dalle d'argent, c'est ça, c'est juste de se ravitailler. Mec, à la base, j'avais pas compris ça comme ça. Bon, finalement, un gameplay pistolet, hein, jusqu'au bout. Je vous avoue que même dans Far Cry 3, je crois que le pistolet signature avec le silencieux, c'est une des meilleures armes. LSD, ayahuasca, je sais pas ce que c'est, mais j'en veux. Endurance. Ah oui, c'est... Oui. Oui. Ok, donc on loot pas les coffres. Je vais tuer quelqu'un, oh. Faire gaffe aux flammes. Ok. Tu me mets en colère, Vas. Pourquoi n'as-tu jamais été capable d'obéir? Ouais, continue à crier. Ta colère, c'est bon pour toi. Oh, les rats. Reproche-moi sur ce que tu fais, mais ta faiblesse est responsable de ta perte. Non, merci. Ok. Pour l'instant, ça enchaîne, hein. Aïe. Je vais finir ce que Jason a commencé. J'ai l'habitude de tes petits tests, je sais comment les réussir. Let's go, c'est fini. Le rat. Non, ouais, je suis un sac à merde. Bah en fait avec le lance-grenade ça serait mais juste tellement craqué les rats. Ou fusil à pompe. Donc là je me voyais mal spread au fusil d'assaut pour essayer de de dégommer le rat. Ah. Et du coup, ça me donne toujours le même pouvoir ça. Mais non, oui, mais sinon ça me donne 1000, donc on va prendre 1000.
La gridance est totale. C'est un bon début, Vas. Mais ce n'est pas encore fini. La gridance est totale. Ouais, alors j'aimerais bien retourner là-haut quand même. Histoire... En fait, là, au final, on a fait toute cette partie-là. Il manque juste, je pense, un petit peu par ici. Ouais. Donc on va partir par là. Ça va, c'est pas si loin. Et en plus, j'ai la wingsuit normalement. Oui. Stop. Tout ça. Et je voyais même pas. Hein. Le mec, il était en train de me trouer le fion. Ok, partant de pluie, plus de résistance, pourquoi pas. Mais c'est non. On a 4000, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de se... On est juste à côté hein, pour dépenser la thune. On va dépenser la thune. Allez, on est juste à côté. De dépenser mes... Ouais, en fait ça dans tous les cas voilà c'est permanent donc si on meurt on le garde. Allez ça coûte 4000 mais vas-y. Bon et puis les augmentations de santé. Je pense pas que ça soit vraiment nécessaire. Ah oui c'est ça, ça coûtait 1000 ça. Pour bouger plus vite en étant accroupi. Oui, 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 et c'est trop intéressant. Non, mais dans tous les cas, là, c'est pas comme si on devait vraiment surponcer pour être sûr de le finir. Mais du coup, Joseph Seed qui est connecté à Vas. Je suis sur le cul. C'est quoi ce bruit là? Les enfers là. Petit coffre. Allez, défi de l'armurerie. Clairement manque de stabilité l'arme. Non et je vais dedans.
Ok. Sur ton travail, Vast. Prends ta récompense. Bah du coup j'ai les 1000 hein. Mais bon, ça va attendre. Alors faut voir c'est quoi la mitraille, parce que si c'est la Vector 45, ça se négocie hein. Salut bébé, viens voir papa. Je pense pas. Non, pas du tout. Je crois qu'elle est infâme en plus. Ah oui d'accord, on peut aller dans l'eau. Quel enfer. Ah ouais, on peut aller dans l'eau. Est-ce que je me fais bouffer le fiac par les trucs des enfers? Bon, je sais pas. Je sais pas ce que c'était, mais je l'ai vendu. J'ai vu juste 50 mètres. Repère sur la plage, ok. Mais en fait, je suis un peu déçu, le fusil d'assaut. Faudrait l'améliorer, je pense, pour qu'il soit mieux... un peu plus jouable. Ok. Ok mec. Pas de soucis. Ça me fait du bien. Allez vas-y. 6000. Ah ouais, les upgrades, ça commence à coûter vraiment cher, là. À chaque fois. Bon, bah let's go, hein. Oh oui. Ça fait du bien. Bah écoutez. On était là juste avant, non? Pas du tout. Et ben on va aller là. Bon, on va faire le tour. Parce que j'ai pas envie de nager pendant 300 mètres. Ouais, je suis assez déçu du fusil d'assaut. J'aurais dû garder le fusil à pompe et l'upgrade. Bon, franchement, si on peut se le permettre, on va peut-être retenter une upgrade de fusil d'assaut. Mais bon, ça coûte cher. Ouais, toi, faut se balader, tuer des mecs tout le temps. Augmenter le mode de difficulté, ça implique de gagner plus d'argent apparemment. Donc c'est... En fait, en plus haut mode de difficulté, si tu gères bien tes headshots, je pense que tu vas vachement plus vite. Fais un test. Oh, la maison du bon docteur. Oh, ce mec avait de la sacrée cape. C'est vrai qu'il avait ça aussi. Ouais, c'est vrai que oui, j'y pense en plus haut mode de difficulté, bah forcément tu fais plus de thunes, donc ça va vachement plus vite au final. Tu veux bien ? Bah t'as moyen d'être vraiment full upgrade comme un... comme un gros dingo là. Fermé de l'intérieur. Mais forcément, comme dans tous ces putains de jeux. Ok. Tu y es presque.
va. Je déteste être sous l'eau. Je déteste vraiment ça. Oui, je confirme. Oui, puis c'est inversé, donc je suppose qu'il faut aller par là. Fermer l'intérieur, j'ai envie de crever. Je vais mourir. Je vais mourir. Non, c'était juste là. Dieu soit loué. Mort. Bon, c'est pas grave, du coup on garde l'argent. Ah, par contre, je perds les petites upgrades que j'avais en bas. Non ? Lieu terminé 15 sur 20. Attendez, comment ça? Je recommence à zéro là? Non. Mortel, je suis près du but. Je ne dis pas que je vais faire plus attention, mais en tout cas, je ferai pas moins attention. Ok? Conserver tous les attributs permanents, les étuis d'armes déverrouillées, les améliorations d'armes et les emplacements de jauge de pouvoir. Ok, ça me rassure. Donc ça veut dire que... Toute fin, hein, des... Ah par contre, attends, les... Ça me plaît, ça. Quoi? Non. Non, vous me faites pas ça, là. Il faut vraiment que je me retape les... Il faut que je me retape tout, là ? Bon, le pistolet, il est gratos et en plus c'est amélioré, donc c'est bon. Ouais, par contre, acheter ça, ça me coûte de l'argent. Et en vrai, c'était un peu une déception, donc est-ce qu'on repartirait pas sur le fusil à pompe? Ok. Par contre, j'ai perdu tous mes pouvoirs à la con. Ok, ok, ok. Non mais en fait j'accepte. J'accepte. En fait on pourrait refaire tous les events pour l'argent. Oh, il faut se retaper les trucs là-haut, là-haut. Oui, non, mais attendez, j'ai autre chose à foutre. Parce qu'en fait, là, on pourrait tous retaper. Et en fait, le jeu va considérer qu'on a fait une run en ayant tout validé. Donc oui, effectivement, c'est cool. Mais quel enfer. Donc c'est non. Donc écoutez, on va tracer. On va faire les deux events principaux. Ah, mais là, celui avec le bateau, il est tellement long. Non, en vrai, ça va. Je sais pas ce que j'ai pris, mais ça devait être de la bonne. Merde! Je me souviens plus de rien. Ils m'ont pas l'air très sympas. J'ai plus les couteaux. Alors par contre, si j'ai pas les couteaux, c'est un problème. Grenade à perception, grenade toxique. Oh là là, j'ai plus les couteaux. Hé, mon pote! D'où le relancer les gadgets. Ok, bah je vais essayer de tracer. Bon, je veux récupérer une nouvelle arme, alors je vais supprimer comme il faut, vite fait, bien fait pour en récupérer une. C'est pas prévu. Ah mais du coup j'ai plus l'amélioration quand je fais des headshots.
Ça, j'ai quand même réussi à crever en mourant noyé, quoi. D'accord, super. Là, je suis mort noyé. Du coup, j'ai tout perdu. C'est quand même une sacrée déception. Vas-y, c'est bon. Vraiment, j'ai tout perdu comme ça, quoi. C'est magnifique. Qu'est-ce que tu fais, toi? Ah ouais, mais du coup, pour OS, les casques man, là. Oh, va falloir que je relance les gadgets jusqu'à récupérer les couteaux, hein. Non, c'est pas possible, hein. Peut-être ce qui nous intéresse, c'est les caisses avec les pouvoirs. Bon, vas-y, si tu veux, pour l'instant. Oh, ça va être terriblement long sans les couteaux. Eh bien, désolé. Ça, du coup, je suppose que c'est un ennemi d'élite, donc je peux pas le backstab, c'est ça? Jason a toujours été si obéissant. Il a toujours exécuté mes ordres sans discuter. Tu connais la citation, Citra? Je préfère vivre debout que mourir à genoux. Je peux pas. Non, essayez vraiment de te cacher. Je me demandais quand l'action allait commencer. Bon, vas-y. C'est le pouvoir. On va peut-être speedrun, hein. Conneries du genre. Ça soigne. T'as massé. Bon, maintenant je te coupe. Parce que c'est vague infini. T'es dans mon esprit, Jason. Je t'éteins sur toi. Trop long. C'est trop long. Allez. Oh. Attends, mais la grenade toxique, elle me touche moi aussi. Non mais quel enfer. Vas-y, si tu veux. Allez. Ah, je suis un peu déçu d'être mort comme une merde comme ça. Autant je me serais fait bolos par des mecs parce que j'avais fait l'américain. Bon, je dis pas. Allez, mon petit pote, allez, file. Vas-y, cours vers la tête, sors de là. Et là, il y a un côté un peu nul au décès. On aurait pu farm un tu peu, mais. Que tu ressembles à quelqu'un que je connais? Bon, ça prend les fils, dégage! Beau travail, Vas. Mes lumières te guideront vers la lame. Attends, mais on revit le souvenir et tout à chaque fois là? C'est ma revanche. Non. Oui! Laisse tout s'effondrer. Va de l'avant. En étant bien. Adieu, suis des mains. J'espère que vous appréciez d'avoir eu cette info. Oui, bon alors les gars, par contre, j'ai pas le temps. Allez, ramasse ta merde là.
Eh, par contre, ils m'ont pas donné de... Ah, ils m'ont pas donné de... d'upgrade, hein. Non, putain, c'était génial. Vraiment, j'adore mon esprit. Allez, voyons ce qu'il y a d'autre là-dedans. Bon, en gros, ouais, faudrait que je crappe à hutte pour... pour essayer de me refaire un bon build. Non, en vrai, au final, c'est vrai que crever, c'est pas forcément une mauvaise chose parce que tu peux recommencer les trucs que tu connais déjà. Vas-y, je vais refaire ça. Ouais, tu connais déjà, donc voilà, tu... Mais le pistolet impératif de l'upgrade, hein. Et si j'avais pas upgrade le pistolet, là ça aurait été vraiment chiant de recommencer. Je suis quand même déçu, on aurait pu tout valider sans crever une seule fois, hein. Alerte générale. Parce qu'un putain de cougar a décidé de me bouffer le cul. Bah typiquement ouais, c'est trop long. Ah ouais, vous êtes deux en plus. Bah lol. Non mais je comprends le concept, hein. Améliore la stabilité, ça je prends. Très très bon. Oh, désolé, hein, je travaille un peu, mais ouais. Quoi ouais. Ah, mais là, la vitesse de rechargement me manque tellement. Ça casse un peu la dynamique. Hein. Encore 5. Bon, vas-y, soigne-toi si tu veux. Ouais, oula, j'étais en train de me faire choper le mollet par une pente. Bien, bien.
Je suis presque impressionnée. C'est fou ça. Vas-y, vas-y, vas-y. Ah oui, et par défaut, au lieu de me filer l'arme, il me file un pouvoir. Bah, on joue pas fusil d'assaut, donc non. J'en prendrai soin comme il faut. Vas-y, on va faire le repère. Ah, mais je suis deg. En fait, j'ai envie de faire tous les endroits quand même. Mais bon, là, je vais pas tout refaire. On va faire que ce qui nous manque. On n'a pas déjà validé. Mais du coup, les souvenirs, ils considèrent que c'est... Oui, oui, ok. Putain, j'ai eu peur, hein, parce que s'il fallait tout redébloquer... Pétez votre merde là. Écoute, j'essaie pas de te guider dans l'enfer de ton propre esprit, mais je pense qu'il te faudrait peut-être un plus gros flingue. Putain, c'est vrai qu'améliorer le fusil à pompe, c'est tentant, hein. Relancer le gadget. Ouais. Hache de lancer. Oh. Je fais les couteaux. Voilà, c'est bon. Et grenade tout court, c'est très bien. Ça va. Du coup, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Parce que du coup, j'ai quoi comme arme là? J'ai ça. Ah, ils m'ont filé l'arc par défaut. Et j'ai quoi comme. Ah, j'ai cette lunette de merde. On va racheter le. Ah, ben non. Bon, l'arc, on va dire Osef. Est-ce que le fusil à pompe, j'essaierai pas de le... En même temps, j'ai déjà claqué des sous pour le fusil d'assaut. Par contre, oui, là, j'ai un mode qui me permet de mieux gérer la stabilité. Bon, vas-y, je vais virer le fusil à pompe. On pourra encore améliorer, mais ça, en vrai, c'est pas si utile que ça. Et j'ai pas assez de sous. Et on va même garder les sous. Et là, c'est pas en bas qu'il y a. Il y a une caisse. Oui, c'est en bas par là.
Bon, dommage pour le rat. Ça, je m'en fous. Bon, et du coup, direction ça. Donc, du coup, c'est dommage que je sois descendu. Bah dommage. Oh, c'est en dessous, flemme. Ouais, il faut en plus faut se retaper ça là-haut. Prendre un certain temps. Hop hop hop, s'il te plaît, tombe pas, merci. Là, c'est vrai que le lance-grenade ça serait la solution à tous les problèmes hein. Bah du coup on est déjà à une heure de VOD et je me retape ce qu'on s'est déjà fait. En vrai je pourrais cutter la VOD, je le ferai, mais bon, malheureusement je peux pas. Le PC ne me le permet plus. Surtout que là on est en 2K donc fichier très lourd. Fais attention. J'ai dit à Jason que tu serais là. Bien! Bien, et il est où? Sois gentil, Vas. Il fait de son mieux. Oh merde, où sont les radios? Je dois les éteindre? Bon, du coup, c'est pas aussi subtil que... Ah oui, mais du coup... Oh là là. Ouais, d'accord, ok. Donc en vrai, tel que je l'avais fait tout à l'heure, c'était l'idéal, quoi. Bon, balak, hein. Allez. Oh, c'est le bordel. C'est le bordel. Je dois t'abattre. Mais merde, non. Et là, je remeurs. Voilà, si je meurs à mon avis. C'est le rush quit. Ah ouais, mais tout le monde est alerté, du coup j'ai des ennemis tout le temps, je peux pas me poser 2 secondes là. Oh l'angoisse. Après ses ennemis, on est bon. Et l'autre il est au-dessus. Ok.
On s'en fout. Mais attends, mais on peut pas les désactiver toutes en même temps? Ah oui, mais on va se taper plusieurs Jason en même temps, c'est pas forcément le meilleur des calls. Mesdames, ne changez surtout pas la fréquence, dans un instant, il y aura encore plus de tubes sur... Jason, t'es un homme mort. Et il y a 15 000 mecs. Non mais je joue comme un sac à merde hein. En voulant aller vite faire de ça. Vas-y, équipe pour l'instant. Résistance globale. Quand il ne pleut pas. Arrête de chier, putain ! Je connais le feu du sang sur mes peaux, putain ! C'est frangin, j'adorerais envoyer ces audios en orbite. Rien de pour faire chier les extraterrestres. Vivas ! C'est encore moi ! Hé, hey, coucou, connard. C'est gagné, putain! Non! Sérieux? On va avoir une putain de chance! Mais putain, mais vraiment! Par relou! Par relou, le man! Ok, bon. Admettons. Et du coup, la dernière, celle qui est tout en haut, et je me suis cassé la gueule, c'était pas prévu. C'est celle-là, hein. Allez. Ok, chérie. On joue garçon. Mais j'avoue que du coup le. Tu as fait ce que je t'ai demandé. À présent, achève Jason. L'upgrade pour respirer plus longtemps sous l'eau. Ça revient sa respiration plus longtemps. Ok, Vas, c'est toi. C'est le bon move, non? Allez, viens, mon pote. Je veux juste te buter. Ok, mon grand. C'est chiant. C'est bien, Vas. Tu as fait ce que je voulais. Viens, viens chercher. Ah oui. C'est vrai qu'il y avait ça. Allez, c'est bon, hein. Détruis. On l'a déjà vu tout à l'heure. Là, je suis trop sur le cul, ça. Là, il y a une sortie là. Et en fait, bah, tout ce qui nous manquait, c'était ça. Hein. Écoutez, je vais essayer de tracer. On va essayer de se le refaire. C'est quand même dommage de pas se faire une run avec tout, mais... Donc ça se trouve, en faisant une run, en ayant tout validé sur la carte, il y a un monde où on a accès à une fin qu'on n'aurait pas si...
si là on... Pourquoi ma propre âme voudrait me tuer? On fonce juste... Tu devrais être vexé, non? Oh, et puis de la merde, de toute façon, je la tuerai en premier. Mais bon. Pardon. Ah, par contre, je crois qu'on est pas venu ici tout à l'heure. T'aurais pas fait ça tout à l'heure. Hein. Dommage. Lance-grenade! Oh là là, ben ça y est, let's go. La vie. Donc, bien sûr qu'on fait. J'ai besoin d'un peu de variété. Je veux un nouveau flingue. Ça n'a rien à voir. Non, merci. Je vais tout de suite calmer. Ça, ça chicote un peu là. Hop. Je vais tester. Oula. T'as lâché une mine là. Ah merde. Précision redoutable hein. Ouais. Ça suffit. Les sous-sous. Ah, ça c'est ouf. Oh, des jouets. Ah, mais c'est celui-là comme lance-grenade. Ah. Bon, ce sera toujours mieux que l'arc, hein, je pense. Bien que... Pète l'arc, vraiment, il y a un monde, si on l'améliore, on a les flèches explos. Hein. J'ai toujours aimé la nuit. Ça, mais les rats, ils me donnent des... C'est qu'ils me donnent des bonnes upgrades, les rats.
Ouais, mais il dépop comme de la merde, donc ma vie est nulle. Bon, allez, vas-y, on va se refaire ça quand même. Attends, c'est quoi ça? Épreuve douleur, on l'avait déjà fait ça? J'ai un doute. Buvez. Attends, mais on l'a déjà fait ou pas? Survie. Non, on l'a déjà fait. On l'a fait, non? Endurance. Ah, peut-être pas. Un petit verre, je prendrais bien un petit verre. Ouais, ouais, je me souviens de ce truc. Pardon. Non, on l'a pas fait. Bon, faut pas tomber dans l'eau, quoi. Parce que je suis pas considéré comme étant repéré pour l'instant. Tu avais promis de devenir mon guerrier. Je t'emmerde, Citra. Suis ta voix, je suivrai la mienne. Elle me plaît bien. Ils m'ont vraiment mis une upgrade en haut que je pourrai jamais, récupérer. C'est dommage. Pourquoi tout ça n'arrive qu'à moi? Tu ne veux pas me rendre heureuse? Oh mais ça suffit! Plaisir. Pour le plaisir! Tu as à faire. Pardon. Abandonne. Meurs. D'accord. Bah écoutez, envoyez-moi un mail et puis j'y réfléchirai. Ça va pas te proposer. Oups. Ok. Hashtag survivant. Ouais, je peux pas l'atteindre, hein. C'est con, hein. Nostratus. Ouais, super. Bon, on a déjà plus de 5000, hein. En vrai, ça le fait. Faudrait juste pas mourir, quoi. Non, parce que là, la cabane dans l'eau, c'est bien, mais si je remeurs noyé, je vais m'énerver. C'est vrai que si je prenais ça. Encore. Allez, j'en prends un. Continuez à avancer. Continuez à tuer. Ça nous évitera de tout recommencer. Au moins une fois.
Mais peut-être que ça, on ne peut pas le faire si on peut pas respirer longtemps sous l'eau. Bah, les gens qui écrivent les règles sont pas mieux que vous et moi, docteur. Et c'est ça qui vous rend si incroyable. Parce qu'il y a des accès, hein. Bien, tu veux bien. Donc, on va récupérer ça, puis on va ressortir. Parce que je n'avais même pas... Rapporte-les-moi, je déteste être sous l'eau. Je déteste vraiment ça. Je n'avais même pas capté qu'il y avait l'objectif récupérer les pilules, hein. Les petites pilules. Non ? Ok. Ouais, oh, non mais attends, c'est un enfer. Je suis sûr que le one up ne marche même pas en plus. Je suis sûr que le one up il marche pas. Attends, mais ça se trouve. Ah si ? Ah, ok. Pour toi, un peu pour moi. Mais c'est quasi sûr que le one up ne marche pas pour. Ouais, il faudrait faire le tour de la maison. Il y a un requin là. Oui, il y a un requin qui va me bouffer le cul. Tout à fait. Ouais, non, en fait, c'est aussi simple que ça. C'est juste trouver tous les accès. Ouais, non, mais ça suffit. Vaincu. Bah non, en fait. Il y a vraiment qu'un seul accès ? Ah non, il y a cet accès là. Allez, go. Comment ça ? Comment ça ? Vraiment, typiquement, là, ils sont en train de faire un truc qui me rend ouf. Une phase de jeu dans l'eau, là. J'ai envie de crever. Ah mais d'accord, ok. Je comprends la logique. Oui. Super, un pavé. Ah, j'ai hâte. Tu y es presque, Vasse. Presque. Je comprends voilà. Totalement la logique du truc, mais oh là là, c'est pas clair. Ouais. Bon voilà, en fait, c'était très simple. Super. Celles-ci sont vraiment efficaces. C'était vraiment très simple en fait. Voilà. Oh, bordel de merde. T'as entendu parler du programme en 12 étapes ? Pour sortir de l'addiction, on en a dit du bien. Mais les drogues. Hein ? Les drogues te rappellent ta sœur, hein ? Pathétique. Tu voudrais faire cramer le monde entier, hein, mon grand ? Mais putain, lâche-moi ! Tu peux pas t'en empêcher. Tu vois, y a des gens qui prennent ces merdes pour échapper à leurs problèmes, mais toi, c'est pour foncer droit dedans. Hé, hey, ça va ? Tu dois me dire que tu m'aimes. S'il te plaît. Non, dis je m'aime.
C'est bien foutu. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Ah, c'est peut-être Vas qui a incité le... Le docteur a... Ah ! Ok. En fait, c'est peut-être Vas qui a rendu le docteur... accro... Putain, ok. Mieux. Bon, et du coup, il nous manque juste un truc à valider. Alors, soit je l'ai loupé et c'était genre tout là-bas. Ce qui est pas impossible en plus. Oh putain, c'est ça. En fait, l'autre partie de la... du... Oui, ok. Eh bien, vous avez le droit de me détester. Vous avez le droit de me détester, à mon avis la dernière partie de la machette, en fait on était juste à côté tout à l'heure. Et là je meurs. Non non mais c'est sûr. C'est sûr que c'était ça. Panique. Attends, on est où là? On est revenu au middle là? En fait, je pourrais limite me prendre... Eh, vous savez quoi? Je vais me prendre le... Le lance-patate. Putain, 1000 balles hein. Mais c'est un one shot hein. C'est pas the lance patate. Écoute, j'essaie pas de te guider dans l'enfer de ton propre esprit, mais je pense qu'il te faudrait peut-être un plus gros flingue. Ok, bon, ça devrait le faire. Ah non, j'ai pas que 5... Bon, bref. Bon, ça c'est pareil, c'est pour du défi, non? Ouais, non, mais c'est bon. Tel qu'on est, ça devrait aller. Allez pépère, faut courir hein. Bon bah du coup désolé YouTube hein, la VOD qui dure beaucoup plus longtemps que prévu. Mais au final oui on va réussir à finir, bon même si la VOD sera peut-être extrêmement longue.
si on réussira à finir dans cette, cette VOD là le bail. Mais du coup si les autres DLC c'est le même délire, bah du coup on saura comment s'y prendre quoi. Donc ça ira peut-être même un peu plus vite. Par contre attends, tout à l'heure il me disait ouais il me manquait je sais plus combien d'endroits. Mais je sais pas ce que j'ai loupé du coup. Ouais, il y a peut-être un truc par là, ouais. Ah, parce que j'ai quand même bien ratissé. Ouais. Je saurais pas vraiment dire... Où est-ce qu'il me manque des endroits... Validé. Ok. Bon, si, si, y a pas un morceau de machette, je comprends pas. Hein. Que tu te souviennes de notre temps, Vas. Il est un peu différent ici, mais ça rappelle tant de beaux souvenirs. Je croyais que je méritais pas d'être ici avec toi. C'est bien ce que tu m'avais dit. Non, en fait, si j'avais compris plus tôt le délire de l'extension, je l'aurais sûrement pas loupé cet endroit. C'est marrant, non? Lol. Ah, la beauté de l'innocence. Ah, il manque beaucoup de vision, hein, par contre. Hein. Il regarda le géant émerger de l'étang. Et sans aucune hésitation, il bondit sur son ennemi. Brrr! Et le guerrier l'a tué! Non! Il avait une dague, pas un flingue. Quoi? Mais c'est trop nul! Les flingues, c'est plus drôle! Mais ce n'est pas ça l'histoire! Tu as toujours été compliqué, n'est-ce pas? Ensemble, nous aurions pu accomplir tant de choses, Vas, comme des partenaires. Nous nous montrerons impitoyables, comme je l'ai appris, comme des hommes. Ok, Citra. Ah, c'est peut-être le final, hein. Mais bon, il y a l'œil dans la base, hein. Je savais que tu reviendrais à moi. Non, Citra, je suis jamais parti. Ouais. Bon, je fais n'importe quoi, hein. Ok, je crois qu'elle régène, en fait. C'est ça, le bail. Ouais, elle régène. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Bordel de merde. Ah oui, c'est vrai que je sens. Pourquoi es-tu en colère contre moi? J'ai essayé de t'aider. Pas voulu. Okay.
Ah. Tu t'évapores. Comme ça. D'accord, ok, c'est aussi simple que ça. C'était aussi simple que ça. Bon, en fait, faut y aller vraiment très yolo, quoi. Qui a écrit cette légende? C'est une prophète? Non, sérieusement, dis-moi, c'est une déesse. T'as son numéro? Je vais l'appeler, je vais lui demander de m'envoyer son bouquin. Hé! Hey, regarde-moi! Qu'est-ce que t'attends, hein? Que la prochaine génération vienne te sauver? Parce qu'on est là, putain. Et on n'a pas que... Hé! Hey, on n'a pas que des légendes et des couteaux. On est tous les deux. Oublie ce que les gens racontent. Tout ce qu'ils t'ont appris. Tu crois en quoi? Je crois en la force, le devoir, la détermination, pas dans la faiblesse. Ah, est-ce qu'on va affronter le machin des enfers Nous ne sommes pas égaux. Je l'ai toujours su. Et toi aussi. Ouais. Ok, round 2. Tu es faible face. Lutte autant que tu veux, mais à la fin, tu perdras toujours. Donc je dois aller toujours plus haut, hein? Regarde. Oh. C'est pute, ça, hein. Tu as tourné le dos à ta famille. La seule que tu n'aies jamais vue. Quoi que je fasse, c'est jamais assez bien. Ah, c'est ça. Non. Oh là là, c'est un drame. La manière dont tu agis. Les mots qui sortent de ta bouche. Oh, tout ton poids me dégoûte. Ouais. Oh, les rechargements, c'est trop long. Alors, Vase, tu es prêt? Ouais, deux secondes. Oh, tout en toi me dégoûte. Oh, mais vraiment. Ok, c'est scripté, quoi. Tu es tellement pathétique. What the fuck, en fait. On change de pièce. Regarde-toi. Oui, voilà, gros. Dès que je vais en haut, en fait, oui. Il y a ça qui s'active. Ouais. Je vais te tuer de mes propres mains. Ouais, ce serait pas plus mal, hein. Ça, on s'emmerde, hein. Ah, te voilà. Ne sois pas lâche. Défends-toi. T'es en cours. Pour un style. Tu essaies vraiment de m'impressionner? Tout ce que je vois, c'est de la faiblesse. Ok, on continue d'avancer, let's go.
Ah oui, non, mais en fait, c'est juste The Strat, hein. Tu la bourres, tu la fais tomber et tu lui bourres la tête. Non, parce que c'est n'importe quoi, par contre, le sac à peu vexé, quoi. Faut rater les conneries. Les couilles, modèle géant. Je ne t'aimerai jamais. Jamais. Passionnant. Mais bon, voilà quoi. Dépêche-toi, passe. Suis-moi. Oui. Attention. Que cette VOD s'arrête. Je n'ai fait qu'essayer de te rendre plus fort. Et ben voilà. Oui. Tout ce que tu as toujours désiré, tout ce dont tu as toujours eu besoin, c'était moi. Le reste s'est passé. Mais je reste. Reviens-moi. Il faisait un temps superbe aujourd'hui. Reste là. Elles sont magnifiques, non? Vaste. Pas toi. Toi. Réponds juste oui ou non. Tu vois, quand je suis chez moi et que je pose une question à quelqu'un, j'aime bien qu'on me réponde. Putain, je sais pas trop pour qui tu te prends, moi non plus. Bon, on va jouer à un petit jeu, d'accord? Surtout, bouge pas. Hé hey, bouge pas, je l'ai déjà fait, ok? Mais surtout, bouge pas. Reste là. Reste où t'es. Je lui avais dit de pas bouger, j'allais juste frôler l'oreille. Il faut toujours que tu te donnes en spectacle. Allonge-toi là. Oh, tu me trouves désirable. Tu crois que j'ai peur de toi? Putain, tu crois que j'ai peur de toi? Vas-y, vas-y. Un peu que je vais faire. Non, oh, c'est ce qu'on va voir. Allez, passe. Vas-y, vas-y, fais-le. Oh, allez, on se le fait. Je te mets. Qu'est-ce que tu veux? Oui. Mais c'est vrai que Citra était quand même plutôt tarée. Et là, on comprend que, ouais, en fait, le truc qu'elle faisait avec Jason, en fait, c'est quelque chose qu'elle a fait avec, genre, beaucoup de ses guerriers sélectionnés. Ok, bon bah wingsuit hein. Je crois que je pars vraiment en couille, hein. Prépare-toi Citra, j'arrive. Mais ouais.
Votre esprit s'effondre, évitez la destruction ou elle vous tuera. Faites vite et rapportez toutes les pièces de la lame du dragon d'argent au domaine. Ouais, mais pas de soucis. En vrai, plutôt stylé. Je suis agréablement surpris par par ce mode de jeu. Je sais pas appeler ça vraiment une extension. C'est pas ce que j'appelle une extension. D'accord, mettons fin à ce putain de cauchemar. Se cache. Mais ouais, vraiment pas mal. Vraiment pas mal. J'aurais limite préféré qu'il y ait un mode de jeu comme ça dans le jeu de base, plutôt que les missions de Lola. À la con. Mais bon. Il aura fallu payer un peu plus pour avoir droit à ça. Et c'est dommage, hein. Ouais. Ah mais ça coûte tellement cher. Bon ah, vas-y, je m'augmente la santé et on y va. Hein. Ça reste un sacré challenge. Hein. Je pense au mode de difficulté plus élevé. Si tu veux vraiment te faire une run perfect en difficulté max, ça doit être un délire. Hein. Revendique ton héritage. Deviens mon guerrier. Tiens, tu sais où tu peux te le foudre? Maintenant fais-moi sortir d'ici. Tu as cru que ça suffirait? Non. Bats-toi pour moi. Montre-moi comme tu es fort. Oh putain, je le savais, espèce de connasse! Vas-y, t'es trop con! Allez! On y va. Ouais. Oui, bah ça fait comme le oui. Ravi de te voir, Vas. Prêt à te battre pour moi, à prouver ta valeur. Ah, dernière phase de survie, c'est ça? Ok, bon, j'ai bien fait d'augmenter la vie du coup. Jamais appris les vertus du minimalisme. Tu es courageux d'essayer, Vas. Courageux d'admettre que tu me veux. Ça va être une vague de chaque côté. Plus fort que je ne le pensais. Je suis un tank, moi, tu sais, pas un guerrier, hein. Là, par contre, c'est vrai que du coup, on a gardé que 4 seringues. Là.
la voix du guerrier. Pourquoi ils veulent impérativement me donner ça ? Toutes tes erreurs te retombent dessus. Ça en ouf. Plus, hein. Oui, allez, on y va, allez, ramène-toi, sac à merde. Tiens, tiens, patte. Ouais. Putain. J'allais vous demander si c'était infini, mais non, 4 sur 5, heureusement. Ah, le mode de jeu se fait fini sur... une vague de l'infini, de l'enfer. Ça m'aurait saoulé. Ouais. 5 sur 5, ok. Oui, oui. Continue. Je suis con, il y avait ça. Continue à te battre pour moi. T'as jamais appris les vertus du minimalisme? Si tu réussis, je te donnerai le pouvoir que tu convoites, je te donnerai tout! Il y avait pile poil le temps. Mais encore. Ah bah quand même. Bon, il en reste un, c'est long, au secours. Ouais, merci. Merci mon cul. Ok, oui, il y a des vagues. Ouais, non, mais c'est bon. Hein. Bon, si je franchis cette porte... Ouais, non, mais voilà, c'est bon, hein, parce qu'on pourrait faire des vagues de l'infini, en fait. Tout à fait. Je m'en suis sorti. Mais j'atteindrai peut-être un plus haut niveau d'illumination si j'y retourne. Ouais, donc il y a peut-être une fin, une vraie fin, si on finit le mode de difficulté maximale. Mais flemme. Grosse flemme. Mais c'était cool. En vrai, c'était très très cool. Le mode de jeu est sympa. Bon, en soi, bon, on a fait une erreur. On a fait une erreur... qui nous a coûté bah, de crever et du coup bah, on n'a pas validé à 100% une run, mais en gros ça nous a pris, en comptant cette erreur, ça nous a pris 3h30. Donc pour ceux qui vont un peu moins vite 4h, pour ceux qui vont plus vite 3h, je dirais grosso merdo ça. Et en fait si tu fails pas, en fait au final en grand grand max 3h tu l'as fini la run quoi. Grand grand max, pour la première fois, pour la découverte. Après, une fois que tu sais ce que tu fais, et dans les difficultés plus élevées, tu fais plus d'argent. Donc du coup, tu focus juste ce qui t'intéresse, et pour vraiment bien te buff, quoi. Donc, il y a moyen, je pense, de se faire un pattern en fonction des préférences. C'est là que ça devient intéressant. Après, ça aurait été bien que d'une run à l'autre, les endroits où tu débloques telle ou telle arme, en fait, ça soit mélangé. Et c'est peut-être le cas, d'ailleurs. C'est peut-être le cas.
C'est peut-être le cas, parce que là, si en fait, à chaque fois, à tel endroit, tu sais que tu débloques telle arme, bah du coup, c'est un peu... Ouais, à la fin, ça devient un peu chiant. C'est bien qu'il y ait un peu la surprise de « Ah, bah du coup, en fait, ici, au lieu de débloquer l'arc, je vais débloquer, je dis une connerie, le fusil à pompe. » Mais bon. Du coup, nous nous arrêtons là pour cette découverte de deuxième extension. C'était plutôt cool. Donc, bah écoutez, je ne sais pas à quoi on doit s'attendre pour la deuxième. Mais bon, ça a l'air d'être le même délire. Hein. Ça a l'air d'être le même délire. Donc écoutez, pareil, on refera une session où on fera le contrôle de Pagan. Et après, on fera une autre session où on fera la chute de Joseph. Et au moins, voilà, on aura fait une run de chaque. Comme ça, vous saurez, vous verrez. Et ça nous permet quand même de voir un peu les connexions qu'il y a... Qu'il y a dans l'univers instauré, dans les Far Cry, donc plutôt cool. Je savais vraiment pas que Vaas était connecté à Joseph, hein, même si c'était très... C'est une connexion minime. Mais est-ce que c'est une vraie connexion? Je sais pas. Ou est-ce que c'est du gros fanservice? En vrai, je sais pas, parce que par rapport à Urk, ça... C'est très incohérent. Par rapport à ce, voilà, à ce que Urk nous dit, et la connexion justement que Urk nous donne par rapport à l'univers. Mais bon. Et apparemment, on peut le faire en coop. Si vous possédez ce contenu, vous pouvez inviter un partenaire, même si ce dernier ne le possède pas. D'accord. Ok, donc en fait, on peut le faire en coop. Et si toi, t'as payé la DLC, l'autre n'a pas besoin de le payer. Ok, bon, c'est plutôt sympa. Assez inédit de la part d'Ubi. Des bisous. Et à très vite pour de prochaines aventures. Et portez-vous bien.